Salut à toutes et à tous, c'est Sky, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vais super bien. Sauf que la qualité du micro que j'ai là, vous savez, c'est de la merde, tout simplement. Franchement, c'est de la grosse merde. Donc, désolé pour le son que vous allez entendre. Ce sera réglé pour la prochaine vidéo. Allez, bonne vidéo. Donc tout de suite, on se retrouve pour toutes les astuces pour le réseau de recrutement sur FIFA 15. Donc je vais tout de suite vous donner. Donc malheureusement, sur FIFA 15, le centre de formation est plutôt mal optimisé en fait. Donc comment vous dire, c'est vraiment, ça va être compliqué de dénicher des... comment ça s'appelle? Ça va être... Oh là là, je peux pas. Ça va être plutôt dur de dénicher des pépites. Puisque rien n'a changé depuis FIFA 13. Depuis... Oh putain, je peux pas. Depuis FIFA 14. Donc tout d'abord, je vais vous donner une approximation du général, du potentiel que que la recrue vous aurait recruté pour avoir. Donc, s'il y a marqué doté d'un énorme potentiel, c'est minimum 80. Si c'est de belles perspectives d'avenir, c'est minimum 86. Et si c'est peut devenir spécial, c'est au minimum 90. Donc, le potentiel maximum affiché pour un jeune est de 94. Mais si vous le titularisez à tous les matchs et qu'il a de bonnes performances, il peut dépasser les 94 largement. Donc il faut pas oublier que c'est le maximum, que les joueurs que vous aurez, c'est la crème en fait. Il n'y aura pas mieux, ils pourront largement dépasser le général que vous propose EA. Alors, un centre de formation peut être mis en place dans n'importe quelle équipe, de n'importe quel championnat. Ça peut être le FC Barcelone comme... Manchester United ou Fulham ou GF38 ou ASNL, n'importe quel club. Donc les recruteurs. L'expérience indique le nombre de joueurs que vous trouverez dans les rapports chaque mois. Et le jugement détermine le général possible de votre pépite. Donc les rechercheurs. Putain, les rechercheurs. Les recruteurs, il y en a un nouveau. Enfin, il y en a 5 nouveaux, je crois. Tous les dimanches. Ouais, c'est ça, 5 nouveaux tous les dimanches. Oui, en gros, ouais, c'est ça. Et en fait, il y a une astuce. Désolé, franchement, désolé si je bégaye. Il y a une astuce qui consiste en fait, quand vous êtes le samedi, vous faites une sauvegarde. Vous avancez au dimanche. Regardez les recruteurs. S'il n'y en a aucun qui a 5 étoiles de jugement et 5 étoiles d'expérience, vous quittez sans sauvegarder, vous revenez au samedi et vous faites jusqu'à que vous en trouvez un bon. Moi, j'en ai trouvé un bon. Si vous le, il peut y être. Il tombe assez souvent, c'est Kevin Mohamed, je crois. Il est 5 étoiles de jugement, 5 étoiles d'expérience. C'est vraiment pas mal. Donc, tous les mois, le recruteur que vous avez pris, il va vous remettre un rapport avec une date, à une date précise. Donc, si vous avez un jeune joueur de 16 ans qui vous plaît, vous pouvez faire une sauvegarde de secours, le recruter et proposer lui un contrat directement. Et simuler le jeu jusqu'à la sortie du centre de formation. Donc, parce qu'en fait, à la sortie du centre de formation, il peut se faire recruter par d'autres équipes si vous voulez pas proposer un contrat. Et si c'est le cas, bah, au moins vous avez une sauvegarde pour le garder. Tout simplement. Alors, faut pas faire attention au général qui est présenté. Donc, faut plutôt faire attention au potentiel présenté. Je conseille de recruter des jeunes avec un potentiel minimum entre 72 et 94. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est déconseiller, mais vous pouvez le faire. Faut vous laisser vos jeunes dans votre centre de formation jusqu'au mois de mai.
Au 1er mai, un boost s'applique à tous vos jeunes dont l'âge général augmente. Les jeunes peuvent passer d'un 47 à 49 de général possible à 66, 70 de général possible. Donc, ça peut marcher, franchement ça marche. C'est pas que ça peut marcher, c'est que ça marche. Mais il faut que personne ne les recrute jusqu'en mai. Donc c'est chaud, franchement c'est chaud. Donc voilà, vous savez tout déjà sur les pépites, sur le centre de formation. Maintenant je vais vous dire où est-ce vous pouvez envoyer vos recruteurs tout simplement. Donc déjà je vais vous dire, je vais pas vous le dire parce que ça va être trop long, je vais vous les montrer. Donc là vous voyez les régions où ça coûtera le plus cher. Donc là tout ce que je vous dis, je vous mettrai les sources, ça vient des forums, c'est pas ça vient pas d'une vidéo YouTube, c'est forum, je suis le premier à le faire, j'ai regardé. Donc en tout cas, vous allez voir les prix, les zones géographiques les plus coûteuses, c'est pas forcément les plus riches en nouveaux talents. Dans FIFA 13, il y avait en gros un fichier, on va dire, qui contenait la probabilité de trouver une certaine classe de joueurs en fonction de la zone. Et il y a quatre classes, il y a bronze, argent, or et platine. Donc la platine, c'est la Rolls Royce, hein, c'est la classe. C'est magnifique. Au meilleur joueur, c'est du Ronaldo, du Messi, du Eden Hazard, du Neuer, c'est la base. Et chaque région a une probabilité différente de produire un joueur dans une classe. Donc dans la classe platine en l'occurrence. Donc je vais vous dire les principales régions. Donc les principales régions, moi je vais tout le temps là-bas. Donc c'est Argentine, Brésil. Aller en Argentine, c'est aller au Brésil, c'est mieux. Au Brésil, vous allez avoir des fins dribbleurs. Et en Argentine, vous allez pouvoir des fins tacticiens, un petit peu plutôt rapide, des bonnes frappes, des bonnes passes. Après, donc il y a 15% de trouver 15% de chance de trouver un joueur platine là-bas, 14% de chance de trouver un joueur platine en Espagne, au Portugal et en Italie, et il y a 13% de chance de trouver une pépite en Europe centrale. Donc l'Europe centrale, c'est la France, la Suisse, l'Autriche, la Belgique, l'Allemagne surtout. Vraiment l'Allemagne. Et donc il y aura un tableau, vous aurez une image. La valeur la plus élevée, c'est meilleures sont vos chances de trouver des joueurs de classe platine. Même si l'Europe du Sud est l'une des régions les plus chères pour recruter de nouveaux joueurs, le résultat de l'Italie, l'Espagne et le Portugal sont nettement meilleurs. Donc vraiment, faut pas se fier au prix. L'exemple en Italie, en Australie, vous voyez que vous avez une chance. C'est pour ça que c'est pas cher aussi. Mais vous aurez aucune chance de trouver. Vous aurez une chance sur 99, sur 100. C'est vraiment maigre. Et vous allez galérer tout simplement. On va revenir un petit peu au centre de formation. Donc déjà, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires ou en message privé. Et je vous propose un petit défi, c'est de m'envoyer un screen par Skype d'un jeune qui a 90 de général avec 5 étoiles de geste technique et 5 étoiles de mauvais pied. Et ainsi, avec des contributions fortes, défense et comment ça s'appelle? Défense et attaque, contributions offensives et défensives fortes, tout simplement. Tout simplement. Et voilà, tout simplement, j'ai fini. Et j'espère que ça vous aura aidé. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et vraiment encore désolé pour la qualité du micro. Merci.